Salut, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 23e épisode de mon let's play sur Pokémon Donjon Mystère. Wow! Tremblement de terre! Que se passe-t-il? Ah, ça s'est calmé. Il y a de plus en plus de tremblements de terre en ce moment. Et attention, que va nous dire Pyro? Aïe aïe aïe, j'ai peur! T'es de bouton, Dracomix! T'as ressenti un secousse? Avec tout ça, j'arrive plus à fermer l'œil. Oh! L'emblée? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de vous sur la place, tout le monde est rassemblé là-bas. Y'a un souci? Je sais pas trop, Tangalis a appelé tout le monde. Il a convoqué les autres équipes de secours. Allons-y, Dracomix! Oh, il y a du monde, donc. Waouh, ça en fait du monde! Il y a plein de nouveaux Pokémon, comme vous pouvez le constater. Il y a du Nosferalto, du Mime, du Raichu, du Rhinophéros, Tortank, Megayam, qu'on n'avait pas encore vu, Scarabrut, aussi. Alors, il y a même quelques meneurs célèbres qui sont venus de loin. Je me demande ce que Tangalis a derrière la tête. Écoutez-moi tous, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça et... Pardon, je m'éloigne du sujet. Nous avons un grave problème. Alakazam et son équipe se sont rendus dans un donjon souterrain. Mais depuis leur départ, personne ne les a revus. Oh, comment? C'est vrai? J'en ai bien peur. Alakazam a mené son équipe sous terre pour tenter de calmer Groudon. Et depuis, nous n'avons aucune nouvelle. C'est une supposition, mais... Il leur est peut-être arrivé quelque chose. Vraiment? Comment est-ce possible? On parle d'Alakazam tout de même. Oui. Mais les faits sont là. Ils sont partis et depuis, rien. Il faut dire que Groudon est très puissant. Il est si fort que... Il est si fort que ça, ce fameux Groudon, permettez-moi d'en douter. Quoi? Va donc l'affronter? Moi, jamais de la vie. Là-bas, le sol est recouvert de lave. Je brûlerai en un instant. Silence! Silence! Certes, cet endroit est bien trop dangereux. Tout le monde ne peut pas y mettre les pattes. C'est pour ça que j'ai convoqué autant d'équipes de secours. J'aimerais que les meilleurs d'entre vous s'allient pour former une équipe spéciale. Qui est partant? Qui se sent l'étoffe d'un héros? Allons-y, c'est l'occasion de leur montrer de quoi on est capable. Ce n'est pas une mission pour vous, les jeunes. Pourquoi? Pourquoi tu veux nous empêcher d'y aller? Vous avez fait d'énormes progrès depuis votre première mission, mais vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Eh bien, personne ne se porte volontaire? Si, moi! C'est Tortank! Tortank, le bulldozer des arroseurs. Il paraît que ces canons à eau peuvent transpercer des plaques d'acier. Groudon est de type sol, si j'ai bien suivi. Je suis de type eau, j'aurai donc l'avantage contre lui. Mon hydrocanon va anéantir Groudon en un seul coup. Oh, moi aussi, je suis partante. Oh, c'est Ouktiri. C'est le boss des constructeurs. Elle enlace ses proies avec ses tentacules et elle assomme d'un coup de tête. Elle ne manque pas d'endurance. Quand je vois un Pokémon puissant, j'ai envie de le serrer très fort. M'oubliez pas, hein. Wouah, Grolem! C'est le membre des Rock'n'Rollers. Il paraît que son corps est si dur qu'il peut encaisser des explosions très fortes. Groudon est réveillé et fiche le boxon, même pas peur. Avec jet de pierre, j'enverrai 6 pieds sous terre. Tortank, Ouktiri, Grolem. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux imaginer une meilleure équipe. Voici donc nos secouristes de l'espoir. Souhaitons leur bonne chance. Ouais, trop bien! On compte sur vous, bonne chance! En avant, les gars! Bonne chance, on vous soutient! Oui! Yippie! Yippie!
Vous avez vu, on ne pouvait pas rêver mieux comme équipe. Ils vont s'occuper de tout, vous allez voir. Faut qu'on se fasse une raison dans la comics. J'aurais aimé qu'on y aille aussi, mais c'était pas possible. Tortank et les autres vont s'occuper des choses sous terre. Nous, on continue à faire nos missions de sauvetage. Bon. Du coup, allez, go, hein. On va aller... Je pensais qu'on allait pouvoir avancer dans l'aventure, eh bien non, toujours pas. On va aller... faire les 4 missions du Val Silencieux. Mission acceptée. Alors, niveau moins 2, moins 3, moins 6 et moins 7. Ok, ça va aller vite comme ça. Et on a un invité, un leader en mal. Allez, let's go. Hop là. Oh, il a laissé un objet. Hop là. Un petit film à quoi sur Aspico. Allez, morsure. On finisse. Quoi? Pas encore? Morsure encore. Tu es. Une blague ou quoi? Ouais. Laser glace. Oh, Papinox veut rejoindre notre équipe. Ok. Comme on l'avait pas encore, c'est parfait. Oh non! Hop là! Bonne nuit! Allez, niveau moins 2. Menez Nidoran jusqu'à Elekid. Ok. Qui bien entendu est à l'autre bout de la pièce. Hop, on va passer par ici, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Ah mince, il n'y a pas de bon chemin. Hop là. Laser glace, il est KO. C'est quoi ce bandana? Un ruban doré. Bon, on va le ramasser tant qu'à faire. Ah zut. Faut l'échanger. Et ben... c'est ça, hein. Hop là. Hey, première mission sur 4 d'accompli. Hop là. Hey, on va s'en aller par ici. Ici on a deux, donc à mon avis, il y aura quelque chose d'intéressant. Ah zut. Laser glace. Hop là. Aspico veut rejoindre notre équipe. Mais on en a déjà un. Ah zut, je suis bête. Faut que je les accepte toutes ici dans le donjon et après seulement les leur dire en revoir, sinon ils me donnent pas de pièces. Je l'ai déjà dit pourtant, mais j'ai oublié. Bon. Hydroqueue. Pas mal. En face. C'est chiant parce que cascade, je l'ai payé. Elle est morte sur Pops. Ce qu'il y a par là comme objet. Des chouchous. Faut prendre les chouchous. Allez, hop, changement d'étage. Moins 3. Oh, un corillon se trouve à cet étage. Intéressant. Boum. Et boum. À nouveau. Allez, on va aller par ici. Oh, petit corillon, viens me voir.
Est-ce que c'est le courrier de la mission à Mystère? Je sais plus. C'est possible. Non, on reste ici. Hydrocule, boum. Et bim. Un pico qui dort. Hop là. Allez, l'escalier. Valsion sur moins 4. Il n'y a rien à faire ici. Hey! Sérieux? Laser glace. Alors, les escaliers, où sont-ils? Ils sont là. Hop là. Un Pokémon KO ici. Oh, intéressant. On va te donner une petite pomme en Brilex. Vas-y, viens avec nous. Oui, en Brilex et de claustrophilie. C'est cool ça, une capacité. Les RPS, rebond de feu, et boum, KO. Bim! Hey, mais tu vas te calmer, toi. Oh, toi, tu me saoules, le petit art. Mais tu veux te calmer direct. Voilà. Allez, attends. Un petit Yannemar. Il a fait chercher le coffre quand même. Hydrocule. Bim. C'est fait. On va chercher le petit objet là-bas en haut. Oh, pas bien. Ça. Hop là. Alors, où est-il? Là-bas en haut. Ok. Eh ben. Oh! Tu te calmes, Papinox. Tu veux rejoindre notre équipe? Pas de soucis. Niveau 11. Allez, tu viens avec nous. Hop là. Mediana. Hop là. Merci, passez à Boss Pekinon. Oui, pas de soucis. Vas-y, passe. Allez, on continue. Il nous reste une quête à réaliser. Encore. Bim. Boum. Là, l'escalier est parfait. Oh non. Rhinocorne est ici, ok.
Allez. Hydrocule. Laser Burst. Ok, vibre encore. Hop là. Oh, Mimigal veut se joindre à nous. Parfait. Et en plus, on n'a pas encore Mimigal à disposition. Allez, on va aller faire un petit Rhinocorn. Merci, passez me voir la poste d'équipement. Pas de problème, Rhinocorn, c'est trop fort. Des choses à faire. On va manger une pomme du coup. Je sais pas ce qu'il peut nous rester à faire, mais bon. Je sais que je dois avoir des graines vides quelque part. On va les balancer dans le vide. Hop là. À faire, mais bon. Tiki assiduité, friandise irisée et une autre encore, ok. Alors, le papillox, niveau 11, du bois des brumes, oui. Pipi, on va l'appeler Pipillon. Un Pipillon. Elle a un pipillon. Oui. Ambrilex. Escarpé, voulez-vous les cueillir? Oui. Non, lui, il mérite pas d'avoir son nom. Enfin, il mérite de garder son nom à la fin. Non. J'ai déjà un pipillon. Et toi, on va t'appeler Mimi. Voilà, Mimi. Oh, petit courrier. Hop, 60 points de secourisme, merci beaucoup. Oui, rejoins votre équipe, super. Oui. Et on va l'appeler Coral. Mais pas comme on pouvait l'écrire normalement. Voilà. Coral. Non. Casserole, on va l'appeler. Parce qu'il sort comme une casserole. Même si je sais qu'il chante super bien. Hein. Voilà, on va l'appeler Casserole. Hop, parfait. Et toi, on va t'appeler.
Rhino Carotte, on va l'appeler. Rhino Carotte. Rhino Carotte. Allez, ensuite ici. Hop là. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais Rhinocorne, Corillon et Ambrilex, c'était des courriers mystères qu'on a rentrés dans le jeu au cours de d'un des épisodes précédents. Hein. Piou, quelle journée, on mérite un peu de repos. À demain. Oui, à demain, Pierrot. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, rien ne se passe. Oh, encore un tremblement de terre! Oh, impressionnant! Il y a des tremblements de terre tout le temps en ce moment. Je me demande quand ça va se calmer. Tacomix, il se passe quelque chose sur la place! Il y a tout un tas de Pokémon rassemblés! Allons voir ça! Ouais, l'ombre! Qu'est-ce qui se passe? Salut, Pilo! En fait, c'est mieux si vous allez voir ça de vos propres yeux. Hein? Oh non, Tortank et les autres! Tangalis! Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont fait battre dans le donjon souterrain. Hein? Ah, ce donjon, c'est pas de la gnognotte! Nous n'avons même pas réussi à atteindre l'antre de Broudon. Il n'y retourne plus, même pas en rêve. On a sous-estimé ce donjon souterrain. Il semblerait qu'il soit encore plus terrible que tout ce qu'on ait pu imaginer. Mahaha! Quelle bande de nazes! C'était couru d'avance! Ectoplasma! On t'a rien demandé! Fallait bien tenter quelque chose pour sauver la caserne. Tu piges vraiment rien. Même les losers là-bas, ils ont compris. Ça craint même Tortank à échouer. Ça doit être l'enfer là-bas. Qui s'y risquerait à aller dans un donjon aussi dangereux? Pas moi. Je brûle trop facilement. Je peux pas. J'ai trop peur des tremblements de terre. Y aller pour se prendre une tannée, non merci. Les amis. Tu vois, même eux, ils pigent qu'ils sont pas de taille. Faut atterrir. Je voudrais bien y aller, mais mes feuilles brûleraient. Tangalis, toi aussi. La bonne volonté, ça fait pas tout. Faut connaître ses limites pour s'épargner une défaite. Mahaha! Comme je parle trop bien, je suis trop bon. Oh là là. Tracomix, je suis tout perdu. Dis, on fait quoi? Je sais que c'est désespéré, mais... Et si on essayait d'aller sauver Akazam et son équipe? Dakodak, Pierrot. Oui! Hurrah! Bien dit, Draconix. Écoutez-moi! C'est nous qui allons secourir l'équipe d'Alakazam! Quoi? Mais c'est de la folie! Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui ces demi-portions? J'en sais rien, moi. C'est les LCDG Gang. Ils sont célèbres dans le coin. Les LCDG Gang? Ceux qui avaient le rôle présumé dans la légende de Fenrir? J'en ai entendu parler. Ces pauvres petits Pokémon ont dû fuir. Tu les crois à la hauteur? Moi, à vue de nez, je dirais que non. C'est vrai, peut-être qu'on sera pas à la hauteur. Mais on va essayer. On est des secouristes après tout. Moi, je veux aider les Pokémon qui souffrent des catastrophes naturelles. C'est pour ça qu'on a monté notre équipe de secours. On va faire tout notre possible pour aider l'équipe d'Alakazam. On baissera pas les pattes, quoi qu'il arrive. Vous avez pas inventé l'eau tiède, vous deux. Vous feriez mieux d'abandonner bien sagement, comme tout le monde. Non, Pyro a raison. Hein? C'est vrai, c'est la peur qui fait dire n'importe quoi. Nous avons perdu au vu de l'essentiel. Nous sommes des secouristes. Nos équipes de secours, c'est notre fierté. Secouristes et fiers de l'aide. On doit aider les Pokémon en danger. Mais vous avez perdu la boule. Vous avez laissé ce microbe vous monter la tête. Ça sert à rien d'y aller, c'est perdu d'avance. Vraiment? T'en sais quoi? On n'y est allé qu'une fois, on peut bien réessayer. Tortank!
Y'a pas à tortiller, on y retourne. Gloup. Oh, ne restons pas à nous morfondre, mes chéris. Je refuse d'abandonner, je suis pas un lâcheur. Ok, Eric, Grolem. Bande de girouettes. Il n'y a pas 5 minutes, vous étiez prêts à remballer. Ils ont raison. Il doit y avoir un moyen de sauver cette pauvre équipe. Si on s'y met tous, on y arrivera. Nous allons tous aller dans le donjon et coopérer. Mais c'est ce que vous êtes tous fous à allier. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Merci Pyro. Sans vous, on aurait fait une terrible erreur. Au nom de tous les Pokémon ici présents, merci. Allez, il est temps de se remettre au travail. On va leur montrer ce que c'est qu'une équipe de secours. Cette fripouille d'ectoplasma nous aura fait perdre du temps. Mais on va enfin pouvoir se rendre dans le donjon souterrain. On part pas avant demain, mais je suis impatient. Profitons de la journée pour nous préparer. Préviens-moi quand tu seras prêt. Pas de soucis, allez, let's go. Hop, on va aller chez Makuta. Hop là. Allez, entraînement assidu. Ticket assiduité S. Le but, c'est de passer notre Draco Mixte et notre petit Pyro au moins au niveau 30. Allez, let's go. Allez, hop là. Allez, vibre à quoi ici. Casse-toi. Hop là. Allez, par là-bas. Il y en a 4 qui vont arriver. Non, zut. Encore ici. Encore. Oh non. Dommage, j'ai pas le temps d'en faire un de plus. Mais bon, on passe déjà niveau 29, je pense. Ouais, yeah, niveau 29. Allez, bien sûr, on continue. Oh non, encore. Combien j'en ai mis KO, mais on passe niveau 30, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Allez. Hop, on va faire de même avec Pyro. Fait. Je vais me voir
Allez, ici, ok. Parfait. Non! Quelle perte de temps. Non, dommage. Alors, combien de niveaux? Deux niveaux d'un coup, 27, génial. Allez. Non, pas sur moi. Sur Pierrot. Voilà, parfait. Lance-flamme, ouf, 151 dégâts. C'est long la régénération quand même. C'est abusé de ouf. Allez, premier niveau. 28 ou 29? 28, ok. Bien sûr, on continue, qu'est-ce que tu crois? Non, pas sur moi! Sur Pierrot d'abord! Parfait! On a quand même eu 12 KO. 12 fois 600 normalement. Pas seulement un niveau, putain. C'est abusé. Allez. On va encore mettre Pierrot. Ici ça fait 2. Et 3. Ça
et le 4. Et le 5. Et le 6. Et le 7. Et de 8. 9. Non, pas 9. Ah, dommage. Et 9. Donc, il y en avait plein encore. Bon, voilà, on est niveau 30. Du coup, on va se laisser là-dessus, les amis. On va aller... dire à Pyro que l'on est prêt, on va juste aller faire un petit tour dans les magasins et chez Kangourex, ainsi qu'à la banque pour mettre notre argent de côté, on sait jamais, ouais, parce qu'on a 6000 quand même, donc déposer, voilà, on se garde, voilà, 2000 on va dire, enfin 2000 c'est trop. Hop, on va prendre le strip nécessaire en objet. Alors, déposer les racaillas, les gravel roches. Ça, on va aller le revendre. Ça aussi. Ça aussi. BP chat, c'est pour les empoisonnements. Donc, il n'y a pas de risque, à mon avis, là-bas. Ça, on s'en fout. On s'en fout. L'orbe résurrection, les branches, la pomme, branche, branche, voilà. On va y déposer aussi la lettre, je pense. Ouais. J'ai pas envie de la perdre. Retirer des objets. Le ruban, on va aller les vendre tout ça. Alors, augmente le taux de coup critique lorsque le porteur utilise différentes capacités de fuite. Alors, augmente le taux critique lorsque le porteur utilise la même capacité plusieurs fois de suite. Ouais, ça, on s'en fout, on va les vendre. L'écharpe pécho. Ouais. La plus grande ardeur immunise le porteur contre la faim. Ah, c'est cool ça. Mais on va les vendre. Un peu le vide. Alors, ruban doré. Mince. Ensuite, anti-talent. J'ai 2 dollars en plus. Dérivation, protège. Protéine, protéine. Hop, tac. Marché compris, 7000 de plus. Ok. Voilà. Acheter, qu'est-ce qu'il a proposé lui? Ça, on va prendre. Ok, on prend juste ça. Les mères à côté, qu'est-ce qu'elle a? Elle
Oui. Ouais, on sait tout ça. Il trouve que c'est un gigant, pas que changer qu'un drapeau peut faire fou. Ok, on s'en fout. Hop. Salut Tati. On va te déposer 2-3 trucs. Ouais. Tac. Ouais. Hop, saut. Saut. Prendre 25 de chaque. Deux grosses pommes. Deux pommes parfaites. 5 déodorants. Deux citrus. Résurrection, détecte, des amours, passe pis. Ça, on va en prendre une, on sait jamais, des fois qu'on tombe sur une maison de monstres demain, dans le prochain épisode. Les tickets, on les garde, les branches, les attaques. Ok, voilà. Je pense qu'on est prêt à se rendre dans le donjon. Voilà. Hop. Oh, j'ai un peu beaucoup de devant quand même. Oh, c'est pas grave. Mince. L'argent, vite fait. Que je viens de gagner en vendant mes rubans dorés. Déposer. Hop, ouais. On gagne 2000. On sait jamais, des fois qu'on tombe sur un petit client. À la vie, ça va être un gros donjon. Voilà. Allez, on est prêt. Non, si, on est, j'ai dit qu'on était prêt. Mais, ah, zut! Voilà, c'est bon. Excellent. On va se reposer cette nuit et à demain matin, on partira à l'aube. Pas de soucis, Pyro! Voilà, on va se laisser là-dessus. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ça recommence. C'est encore ce rêve. Garde-voir? C'est demain que tu t'aventures dans le donjon souterrain, n'est-ce pas? Oui. Il paraît que c'est un endroit terrifiant. J'espère que tout se passera bien. Mais oui, ne t'en fais pas. Tu atteindras ton objectif, c'est certain. Tu as tout mon soutien, tu n'auras qu'à faire de ton mieux. Merci, c'est gentil. Ça m'a redonné un peu de courage, je vais y arriver. Au fait, garde-voir, je voulais te demander. Est-ce que tu connais ce donjon souterrain? Ou bien un Groudon? Non, pardonne-moi. Oh, dommage. Je pensais que tu savais peut-être quelque chose, vu comment tu en parlais. Non, je voulais seulement t'encourager de mon mieux. Pardon. Non, ce n'est pas grave. C'est gentil à toi de m'encourager, merci beaucoup. Cependant, il y a une chose que je sais. Oui? Ton rôle. Il touche à sa fin petit à petit. Mon rôle touche à sa fin. Tu as été transformé en Pokémon dans un but bien précis. C'est pour cela que tu es ici parmi nous. Et maintenant, ce rôle, tu es sur le point de le remplir. Garde-voir, dis-moi, quel est ce rôle? Pourquoi ai-je été transformé en Pokémon? Chaque chose en son temps. Je pourrai tout te dire quand cette aventure sera terminée. Au revoir.
d'accord, je pense qu'il parle de l'aventure globale du jeu. Du coup, voilà, on se dit à très bientôt. Bye tout le monde, c'était Dracomixt, ciao ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.